Ça y est, FC24 est là, et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas, MMOXP, vous avez 5% avec le code ZOHO, le lien est dans la description. Vous allez tous très bien les gars, moi ça va nickel. Aujourd'hui, Iago Aspas est sorti dans la SBC en carte flashback comme ce qui était prévu. On va faire son avis SBC à voir si c'est à faire ou à laisser par rapport à ses stats et par rapport à son prix. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Venez me suivre sur Twitch les gars, actuellement là on est en live sur Twitch. Venez sur Twitch, du coup ma chaîne c'est ZOHOLINHO, ZOHOLINHO, tout simplement les gars, ZOHOLINHO. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on est en live à peu près tous les soirs à partir de 18h-19h. Donc voilà, nous on est parti directement pour la vie SBC de Iago Aspas. Et voilà, on est parti quoi. Du coup, élevé, élevé pour son rendement, ok. 3 de GT, 4 de mauvais pied. C'est vrai que j'aime bien les gars, j'aime bien les 4 de GT. Mais bon. Pied fort gauche, explosif, type d'accélération. Ok. Ok les gars, il est explosif, un peu comme du style Messi quoi. Ok, parce que là on va dire que voilà, c'est normal on va dire. Et BU avant centre, Celta Vigo, la Liga eSport espagnol. Donc très facilement cala par rapport à ce championnat. Après son club, voilà, il y a aussi son championnat qui y joue. Et l'Espagne, il n'y a pas de très grands joueurs, mis à part les URNT, les gars, tout ça, franchement. Pas ouf. L'Espagne, actuellement, pas ouf, les gars. S'il y a Pedri, mais bon, c'est pas exceptionnel. Hein. Mais en tout cas, il y a la Liga, et c'est bon. En termes de vitesse, il n'est pas super rapide. Franchement, pas sur le cachet, il a la vitesse, mais pas l'accélération. C'est pas super rapide. En termes de frappe, il est très fort. En termes de frappe, il est très fort. Il a une bonne tribune de finition à 93, un placement facile à 91. Puissance de frappe, 84. Tir de main, 83, ok. Une bonne volée, un bon péno, ok. Ouais les gars, en termes de frappe, il est fort. Hein. En termes de passe, pour un buteur, c'est vraiment pas dégueu non plus. Il a la passe longue à 76, ce qui est pas dégueu. Les gars, franchement, il est vraiment pas dégueu. En termes de dribble, il manque quand même. Il est pas si grand que ça, de ça, grand taille. Il fait quoi, 1m76 il manque d'équilibre quand même. Il manque beaucoup d'équilibre. Mais après, il a quand même... Ouais, la réactivité, elle est bonne. Tout est bon, les gars. En vrai, tout est bon. Mais il manque quand même un peu d'équilibre. Je trouve c'est dommage. Il a la tête à 86. Il a... La détente à 83, il est petit, est-ce que c'est suffisant? Je pense pas. Il a pas d'endurance, pas de force, pas d'agressivité. Les gars, franchement, ses points forts, c'est surtout les tirs et un peu les dribbles, quoi. Mais sinon, c'est en plus, tes frérots. En vrai, c'est en plus. Hein. Il a un playstyle, c'est quoi? Tir en finesse. Ok, les gars, c'est comme Griezmann. Ça, c'est vraiment très cheaté, les frérots. C'est très, très cheaté. Ok. La carte est sympa, mais sans plus, franchement. Il faut une équipe à 83, une équipe à 84, une équipe à 85. Je vais sur l'écran du PC pour vous montrer du coup son prix. Et là, hop là, les gars, c'est juste ici. Alors, ok, là, on est sur Twitch, en live actuellement. Et hop, il est là. Il fait 78 000 crédits. Les frérots, alors oui, c'est pas cher. Mais quand même, il faut quand même 3 équipes, quoi. 83, 84, 85. Moi, je trouve que c'est quand même un peu cher. On va retourner sur Twitch en 2-2. Hop, les gars, on va voir un peu. Quoique. En vrai, c'est. Les gars, pour moi, c'est pas une carte à faire, en vrai. On va pas se le cacher, les gars. Franchement, elle va pas servir à grand-chose, quoi. Je veux dire, la carte, elle va très, très vite être dépassée. Hop, je mets la Liga, juste ici. Entre 10 000. Excusez-moi, les gars, il y a 80 000. Il y a qui, du coup? Bon, Lewandowski, c'est un peu moins méta. Vous avez le soir, les gars, limite, c'est la même carte, les gars. Je vous jure, les gars, c'est abusé. Il a moins de finition et tout, les gars, mais limite... Ouais, man, c'est... Non, les gars, j'ai une connerie, c'est moins fort de ouf. Ouais, vous avez que Lewandowski. Alors, ouais, par rapport à une Liga, à ce prix-là, les gars, par contre, c'est vrai que c'est, si vraiment vous voulez jouer avec une Liga, à ce prix-là, c'est à faire. Franchement, les gars, à ce prix-là, c'est à faire. Si vraiment vous voulez qu'une Liga, hein. Mais sinon, dans tous les buteurs du jeu, les gars, c'est complètement pas à faire, tout simplement. Regardez, les gars, tout ce qu'il y a, en vrai de vrai. Vous avez limite Lautaro Martinez, les gars. Il est moins rapide, mais il est bon. Vous avez Osimhen. Vous avez Kato, toi, apparemment, il est pas dégueu. Vous en avez plein, les gars. Ah, vous en avez plein. Et là ils mettent pas tout, hein. Les gars, il y en a un paquet, les gars, qui... Même Aubameyang, je vous jure, les gars, il est presque autant meilleur. Ouais, les gars, alors en termes général, avec tous les buteurs du jeu, ce n'est pas à faire. Par contre, si vous vraiment, vraiment voulez des joueurs de Liga, c'est l'un des buteurs de Liga vraiment au top, quoi. Hein. Alors, attendez, je vais quand même voir en enlevant le prix, quand même. Mais je pense qu'il n'y avait que Lewandowski et lui. Hein. Attendez, hop. Oui, quand même, juste. Attendez, hop. Voilà. Attendez. Je vais mettre. 10 000, voilà. Griezmann, il fait 100k. Mais Griezmann, il le tue, les gars. Griezmann, il est meilleur. Ouais, non, les gars, franchement, ouais. Moi, c'est. Pour moi,
vous faites une Liga, c'est à faire, sinon le reste ce n'est pas à faire, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, mon avis, il est plutôt positif que si vous avez une Liga et que vous voulez une Liga, tout simplement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, les frérots, et nous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les frérots.